Bonjour. Yes, this video will be in French. I'm sorry if you eventually find it because there's Bake Off in the title, but I'm French. Even though I'm fluent, I'm incredibly uncomfortable speaking English right now. So this is a French video of me ranting about English language, French language, English, British cuisines, and French television. So maybe not the best. I know you're not missing out on many things. If eventually I find motivation, I put subtitles maybe one day. I know you're not used to it because mainly of colonization, but you know, I'm not trying to be any political here, but so yeah, sorry, I guess. L'autre jour, j'étais tranquille en train de regarder Big and Poppycat, une super série d'animation que je vous conseille chaudement. En plus, c'est gratuit sur YouTube. Elle est pas belle, la vie, et voilà que j'entends cette phrase. Baking is not the same as cooking. Là, mon cerveau s'arrête, plus rien ne bouge, j'ai les mains, la maîtresse en maillot de bain, je voyage dans le temps et je me rappelle. J'avais déjà eu cette question en tête. Vivre à Londres, 2 ans, ça chamboule le cerveau, référence culinaire et linguistique, mais surtout ça vous enfonce dans la culture d'une des meilleures émissions de télé. The Great British Bake Off, sa version française étant le meilleur pâtissier. Non seulement la version française est moins drôle, moins belle, moins bien montée, moins sympathique et tout le tintouin, je vous passe mes critiques, mais surtout le titre m'avait toujours chatouillé. Le meilleur pâtissier. C'est pas du tout la traduction de Great British Bake Off. Bon après, on va pas appeler ça le Great French Bake Off, on pourrait partir dans les théories de « en France, on préfère ce genre de titre, incluant des personnes, genre les reines du shopping, tout le monde veut prendre sa place, on se fait vite rattraper par le fait qu'il y a des émissions qui s'appellent « Les 12 coups de midi » ou bien « Instinct criminel », même si on se focalise sur les émissions de cuisine, il y a des trucs comme Masterchef, Top Chef, les titres n'ont pas changé par rapport aux versions anglophones. Mais même si on se disait que bon, en France, on adore nous inclure dans les titres, un autre détail me chafouine. En France, certes, on fait des gâteaux, des tartes, des entremets, quoi que cela veuille dire. Des desserts. C'est le meilleur pâtissier. Mais en Angleterre, ça fait du pain, des pâtés en croûte, du beurre aromatisé, non seulement du sucré, mais aussi du salé. Pourquoi? Dans ma tête, avec des références françaises et le français comme langue première, c'est censé être le meilleur pâtissier, parce que ça a été traduit comme ça, après tout, il y a le fond des desserts et des biscuits, je vois pas pourquoi il y a le frais du pâté en croûte, mais ils font du pâté en croûte, en fait. Dans Bake Off, ils font du pâté en croûte, donc le mystère est quand même bien là. C'est là que j'ai découvert le secret derrière le mot bake, et je n'ai pas prête de m'en remettre. Ah non. Non mais enfin, vous imaginez du pâté en croûte, c'est pas... Non mais c'est pas non plus... Enfin... Oui, bonjour. On va parler de Bake Off. Je vais expliquer ce que c'est Bake Off hein, dans une seconde, mais si déjà vous savez, j'espère que vous appréciez mon essai de cosplay de Noel Fielding. Voilà, faut se mettre sur la table comme ça. J'avais même prévu les chaussures. Petite talonnette là, mais en fait, je suis déjà trop grande pour cette table. Et puisque je compte cuisiner, faire de la pâtisserie, faire un truc avec mes mains, c'est-à-dire un gâteau, voilà, on va pas mettre les talons. Mais bref, oui, si vous avez lu le titre et que vous avez entendu l'intro, on va parler de The Great British Bake Off. Je vais reprendre mon script, qui est quelque part... Allô, aide-moi. Oui, qui est une émission britannique, qui a été créée en 2010, il y a... de nombreuses saisons, cette année c'est la saison 11. J'essaye de sortir ça un peu en même temps, mais je pense que je vais arriver trop tard, mais vous serez peut-être dans cette période nostalgique de genre « Ah, c'est fini, j'ai plus d'épisodes à regarder, donc cette vidéo est pour vous. » C'est une compétition à base de confection de produits de type nourriture salée ou sucrée. Ça dure 12 semaines, non, less, moins de ça, 10 semaines. I guess, voilà, ils font à manger, c'est très mignon, il y a Paul Hollywood, il y a Noel Fielding, my love, vraiment, yeah. Gender envy, right here. C'est très populaire en Angleterre, c'est très populaire même aux États-Unis, même si le titre, là-bas, ça s'appelle The Great British Baking Show, ça c'est toute une autre histoire de pourquoi ils ont choisi le titre, enfin bref, et c'est très British, c'est très awesome, très... mignon, adorable, premier degré, vraiment très agréable, je vous conseille. Et je vais aussi parler bien sûr de la version française qui s'appelle Le Meilleur Pâtissier, qui existe depuis 2012. C'est assez populaire en France, vu qu'on adore parler bouffe et les émissions de bouffe en général. Là par contre on fait que des gâteaux et des desserts, c'est un peu le... voilà, on en reparle plus tard. Il y a Cyril Lignac, et il y a Mercotte, qu'on connaissait pas avant cette émission je crois, enfin bref. Et pour le coup, je trouve ça vraiment beaucoup moins agréable à regarder, pour plein d'autres raisons, c'est pas vraiment le sujet de cette émission. Mais voilà, moi j'adore Bake Off,
Et ma question, ça, on va parler du titre, parce que le meilleur pâtissier, Guadeloupe-Belèche Bake Off, c'est vraiment de là dont est partie un petit peu l'idée de cette vidéo, parce qu'ils sont très différents tous les deux. Faut dire que The Great Polish Bake Off, c'est un titre très dur à traduire. Mais surtout, quand on relie à ce que font vraiment les candidats, c'est-à-dire en Angleterre, Bake Off, ils font du sucré et du salé, et en France, on fait que de la pâtisserie, on a fait le meilleur pâtissier. Pourquoi, comme vous l'avez entendu dans l'intro, je me répète, pourquoi bake n'est pas la traduction exacte de pâtisser, qui d'ailleurs est pour moi la première occurrence que j'ai vue de gens qui utilisaient le verbe pâtisser, c'est dans Le Meilleur Pâtissier, quand ils ont traduit Are you... C'est pas ça la phrase. Are you ready, set, bake? Non, get ready, set, bake. Et en France, c'est genre 3, 2, 1, pâtisser. Enfin bref, ils ont traduit vraiment bake par pâtisser. Mais est-ce que c'est une traduction exacte? Est-ce que, en fait, c'est pas vraiment ça? Qu'est-ce qu'on s'est fait avoir? Bon, en fait, ça veut dire que les langues, elles sont différentes et que du coup, traduire, c'est pas exactement la même chose. Genre, ouh! On va partir du début. Qu'est-ce que ça veut dire bake? Donc en anglais, on a deux verbes. Pour notre verbe cuire, on a cook et on a bake. Et comme je l'ai dit en intro, il y a donc beaucoup de gens qui souvent disent cette phrase I cook but I don't bake, soi-disant je cuisine mais je ne bake pas, du coup on peut pas dire vraiment pâtisser. Enfin, on pourrait traduire ça comme ça, mais c'est pas ça que ça veut dire du coup exactement. Donc la différence que j'ai trouvée personnellement, c'est alors cook, ça serait cuire de manière générale, juste cuire, faire de la cuisine, cuire des trucs. Et bake, c'est cuire. Mais attention, c'est cuire uniquement à partir de chaleur sèche, comme par exemple dans un four. Donc, déjà, pourquoi on a deux verbes qui veulent dire cuire? Genre, on n'a pas besoin de deux verbes pour dire le même mot cuire, mais surtout, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un verbe si spécifique qui veut dire cuire à partir d'une chaleur sèche? Est-ce qu'on n'aurait pas juste pu dire cuire dans un four? Bon, alors vous allez me dire, il y avait d'autres techniques que le four pour la chaleur sèche, mais même, est-ce qu'on n'aurait pas juste dire cuire dans tel truc? Apparemment, c'était pas assez spécifique. Une autre question, c'est est-ce que c'est respecté dans Bake Off? Du coup, est-ce que c'est toujours de la chaleur sèche? Ou alors, est-ce que le verbe a évolué au fil du temps et il y a d'autres utilisations? Là, bon, je vous spoil un petit peu, hein, mais bon, voilà. Et la question qui se pose aussi, c'est d'où vient le fait qu'il y ait deux verbes pour dire cuire? Pourquoi est-ce qu'on a gardé cook et bake dans la langue anglaise alors qu'ils sont si proches l'un de l'autre? Et d'où viennent les mots, en fait? Voilà, surprise, on va parler d'étymologie. Je pense que vous saviez un petit peu qu'on avait parlé de linguistique, mais ça là... D'où vient bake? Pourquoi est-ce qu'on a cook et on a bake? Surtout, comment est-ce qu'on peut le traduire du coup? Pourquoi le meilleur pâtissier, c'est pas une si mauvaise traduction? Et pourquoi on n'a pas juste appelé ça le gros concours de cuisson au four? Bon, là j'ai peut-être déjà la réponse à ma question. L'étymologie, je vais vous le faire en ASMR. L'étymologie est une discipline diachronique de la linguistique qui cherche à établir l'origine formelle et sémantique des mots. C'est basé à la fois sur des bancs historiques de la linguistique, mais aussi sur l'évolution sémantique ou phonétique des mots que l'on étudie. J'ai oublié, je suis partie dans mon truc là, j'étais motivée, mais je comptais faire un gâteau en même temps que cette vidéo, donc là je vais sortir mon livre de recettes. Je vous laisse sink in avec la définition de l'étymologie, parce que moi non plus j'ai pas tout compris ce que j'ai lu. Hein. Je suis désolée pour le nombre d'anglicismes que je vais faire dans cette vidéo, mais c'était un petit peu prévisible vu qu'on parle de l'anglais, du français, ça se mélange dans ma tête, ça se mélange partout, c'est horrible. Donc, on va faire un gâteau aux pommes. C'est une recette que j'ai découverte pendant le confinement, elle est super, si vous voulez je vous la mettrai en description. Voilà. Désolée Noël, je sais que c'est pas trop ton type de coiffure, mais pour cuisiner ou pâtisser, il faut s'attacher les cheveux. Donc, l'étymologie, c'est en gros l'histoire du sens des mots. Voilà, on va simplifier. Et l'étymologie a elle-même
Une étymologie, et oui, c'est issu du grec ancien, étymologie, voilà, dérivé des mots sens, non, raison et discours. Oui, des raisons et discours. Donc à l'origine, c'est plutôt l'étude des sens des mots, mais c'est devenu plutôt l'étude de leurs origines. L'origine du sens, c'est à peu près la même chose. Voilà. Je vais sortir mes affaires. J'avais mis cette serviette exprès pour cacher ça. Je suis en train de gâcher mon décor. Donc, en étymologie, on peut avoir quatre types d'origine de mots. Principalement, hein, on va faire des catégories là, mais c'est pas pour mettre des étiquettes, parce que bon, les étiquettes c'est un petit peu restrictif, vous voyez, mais bon. On a des mots qui sont hérités d'un état plus ancien de la langue, ou d'une langue mère, c'est-à-dire par exemple en français on a beaucoup de mots qui viennent du latin, et qui sont à peu près calqués exactement là-dessus, c'est juste qu'ils ont un petit peu évolué, ils ont subi un processus d'évolution phonétique. Ça, ça aurait été un bon sujet, hein, parce qu'en Angleterre, il y en a eu des grosses évolutions phonétiques. Par exemple, peuple, ça vient du latin populus, qui est devenu poblo en ancien français. Peuplé, poplé, peuple. Enfin bref, voilà, ça a suivi un peu son cours. Vous permettez, j'attrape ma farine. La farine, on va pas mettre de ça. Je mets du sucre. Je suis pas du tout préparée, tu sais, en mode testy, avec des petits bols déjà prêts et tout. J'ai pas du tout caché les marques de mes produits, donc c'est pas grave. Mais des fois, j'ai des trucs en vrac, donc ça passe. Donc ça, c'est la première... type d'origine des mots. Ensuite, on a des mots empruntés à une autre langue, comme par exemple les anglicismes que j'arrête pas de faire depuis tout à l'heure, mais on a aussi des trucs qui sont beaucoup mieux intégrés, comme par exemple, pour rester dans le terme de la pâtisserie, le mot cookie, ou pour rester dans d'autres trucs, je sais pas, médianine, voilà, c'était un autre exemple. Ensuite, on a des mots qui ont subi une longue et lente évolution selon les lieux ou les époques, par exemple, un mot en Île-de-France n'est pas un mot au Pays Basque, en Provence. Ça, c'est plutôt des questions de régionalisme. Par exemple, je pourrais faire toute une vidéo sur ce que j'utilise car je viens de Normandie. Mais un autre sujet. Et enfin, il y a des créations ou des néologismes, comme par exemple mon petit préféré qui vient de faire son entrée dans le petit Robert, un petit coquin, c'est le mot IEL. C'est pas le sujet de cette vidéo, s'il te plaît, ne mets pas de commentaires en dessous, je m'en fous de ton avis. Voilà. Mais pour savoir tout ça, il faut aussi se concentrer de savoir d'où vient la langue française. Ça pourrait être une autre vidéo à part entière, mais bref. Donc la langue française est élaborée à partir d'un dialecte latin influencé par la langue celtique, c'est-à-dire le substrat gaulois, puis encore par la langue de superstrat, le vieux bas francique. Bah, ça me fatigue déjà. Il faudra attendre François Ier pour que la langue supplante le latin comme langue écrite, et bien longtemps encore pour qu'elle soit comprise et parlée dans toutes les régions. Mis à part les influences qui ont pris part à sa genèse, la langue française a aussi emprunté de nombreux mots d'autres langues, notamment le gaulois, le latin, le vieux bas francique, le grec ancien, l'anglais, à partir du 19e siècle, l'allemand, l'hébreu, l'espagnol, l'italien, les langues indiennes, mais aussi amérindiennes, le néerlandais, l'arabe, l'ancien scandinave, les langues régionales françaises. Et j'en passe, voilà, on a fini, je vais pouvoir attraper mes autres ingrédients. Donc du sucre vanillé, j'en ai pas. J'ai de la vanille, de la muscade, de la cannelle, de la levure, qui est en paquet, il est ouvert celui-là, de l'huile, et donc quoi ça, de l'huile, il me faut de l'huile. Je crois que c'est un reflet d'acide, mais je suis pas sûre. Et du lait végétal. Il n'y en avait plus beaucoup, je vais peut-être devoir prendre de l'eau. Et enfin des pommes. Donc pour ce gâteau, on va en prendre. Normalement la recette dit 2. Je vais en prendre 3 parce que j'aime bien quand il y a beaucoup de pommes. Je vais essayer un petit peu de faire un truc. Oula, tout est abîmé. Donc je vais essayer de la prendre, ça lui fera du bien. On a parlé des origines du français, on va parler un petit peu de l'origine de l'anglais, qui dérive de l'ancien anglais. Voilà, ça. Un peu plus simple, non je rigole, appelée aussi la langue anglo-saxonne, qui aurait des origines ouest-germaniques, c'est pour ça qu'il y a plein de similitudes en anglais et en allemand, mais il y a aussi beaucoup d'influence des langues romanes comme le français, et oui, qui après tout a été la langue officielle du pays pendant quelques centaines d'années, grâce à qui ? Guillaume, mon gars sûr. Je sais pas si c'est vraiment un gars sûr, enfin bref. D'abord, il y a parlé anglo-normand, une langue charmante dont je pourrais faire une autre vidéo en entier. Et c'était surtout les élites, la grande majorité du peuple, parlaient pas l'anglo-normand, mais parlaient un espèce d'ancêtre de l'anglais de l'époque. Et c'est l'anglo-normand, ça a été la porte d'entrée du français dans les hautes sphères du pays, chez les aristos, là.
Si bien que leur devise, la devise du pays, est en français, c'est-à-dire « Dieu est mon droit », on en pense qu'on veut, mais voilà. Ce qui fait qu'il y a énormément de mots qui ont la même origine en anglais et en français, tout simplement parce qu'en fait, on ne sait plus qui l'a pris en premier ou quoi. Et ça, c'est pas très intéressant, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Maintenant qu'on connaît un petit peu l'origine des langues, qui nous intéresse et dont on va parler, les différentes origines possibles de mots, vite fait, hein, on va en reparler un petit peu, j'aimerais bien parler un petit peu de pourquoi on invente des mots. On a vu que c'était pas forcément la seule origine des mots d'une langue, parce qu'il y avait aussi des emprunts, etc. Mais bon, au bout d'un moment, au début, il faut bien commencer parce que quelqu'un se dit « j'ai besoin de communiquer cette idée, je dois créer un mot pour en parler ». Donc, on pourrait dire « est-ce que tous les mots sont des néologismes ?» Enfin bref, grosse histoire. Qu'est-ce qu'un néologisme ? C'est un mot nouveau ou apparu récemment en une langue. Alors, on croit souvent... J'essaie de parler fort parce que je suis loin du micro, mais je pense que vous m'entendez quand même. On croit souvent que les néologismes, c'est que réservé genre aux poètes ou aux gens qui ont le droit de créer des nouveaux mots en littérature. Ça, c'est ce que vous dirait l'Académie française. En fait, tout le monde, comment dire, tout le monde peut créer un mot. La preuve, on a réussi à créer l'écriture inclusive en même temps que l'Académie française nous déteste. Donc, tout le monde peut le faire. Ça, c'est vraiment, c'est pas un truc... réservé aux gens, s'il vous plaît, créez des mots, c'est super. Pour faire un gâteau, vous allez avoir besoin d'un bol et d'une cuillère. Si vous avez un fouet, c'est chouette, mais franchement, pas besoin de compliquer la vie avec des outils aussi poussés de technologie. Pour revenir au néologisme, il y en a de trois types. Je vais les lister en même temps que je vais peser ma farine. J'en ai besoin de 250 grammes. Donc il y a le néologisme de forme, qui est un mot nouveau au sens où il n'existait pas, c'est un mot forgé. Par exemple, en informatique, on a eu besoin de créer plein de néologismes parce qu'en fait, c'était tout simplement un milieu... disons que les ordinateurs, hein, ça n'existait pas. Par exemple, on a dû créer le mot courriel, email, plein de trucs comme ça. Le mot informatique, hein, d'ailleurs, lui-même a été créé. Et en France, on adore créer des mots beaucoup trop compliqués. Si on commence à comparer un petit peu avec l'anglais, informatique en anglais c'est computer science, donc la science des ordinateurs. Et nous on est là genre, on va pas appeler ça la science des ordinateurs, enfin, on va appeler ça l'informatique. Encore un autre sujet, bref, on a aussi des néologismes d'emprunt lexical d'un mot étranger sans modification. Exemple, tous les mots en « ing » dont on sert en français et qui n'ont pas du tout le même sens en anglais, genre jogging, faire du shopping, se mettre sur un parking, enfin bref, tous ces mots-là, c'est à la fois des anglicismes et à la fois des néologismes parce que c'est pas le sens originel du mot, on va dire. Et on a aussi des néologismes de sens, bien sûr, donc là j'ai pas du tout pesé ma levure. Hein. En même temps, c'est un sachet, donc on guesse que c'est pas plus mal. Au pire, je vais mettre un petit peu de bicarbonate. Mon pote, bicarbonate qui sert à tout. C'est une petite astuce. Oula, j'en ai mis un peu pour vous couper. C'est une petite astuce si vous avez plus de levure. Prenez du bicarbonate. Et enfin, on a le néologisme de sens, qui est l'emploi d'un mot qui n'existe dans le lexique d'une langue dans un sens nouveau. Par exemple, elles peuvent arrêter les motos là, Dominique. Quand le mot virus passe d'un emploi en biologie à un emploi informatique, on a un peu le même exemple en anglais, par exemple, et en français, puisque le mot bug est utilisé en français. Un bug informatique, ça vient vraiment d'un bug, genre un insecte, qui se glissait dans les ordinateurs comme ça. Genre vraiment quand les ordinateurs faisaient la taille de la pièce. Et du coup, ça a créé le mot bug, qui est un problème informatique plutôt qu'un véritable insecte. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Il y a aussi des néologismes empruntés à des marques, comme par exemple le sopalin, qui est là que vous voyez pas, ou le frigidaire, c'est-à-dire le frigo. C'est-à-dire une marque crée son produit. Elle est tellement utilisée dans la vie courante que c'est ce mot-là qui remplace le mot de base comme réfrigérateur. Ou papier essuie-tout, ce qui est vraiment pas un mot pratique. Mais dans le sens général, le néologisme, c'est tous les mots nouveaux qui sont entrés dans le lexique d'une langue. La plupart du temps, on conserve l'emploi de néologisme à la création ou l'utilisation de mots ou d'expressions, par exemple « miel ». Mais il y a plein de néologismes qui arrivent pour des raisons pratiques et qui perdent rapidement une valeur de nouveauté. Par exemple, pendant le confinement, on a fait plein de néologismes. Je ne vais pas tous les citer, je vais plutôt les mettre sur l'écran. Mais voilà, s'ils se maintiennent dans le lexique,
le néo-joésisme, et donc c'est que c'est pas juste un effet de mode. J'ai oublié d'enlever ma cuillère, donc je suis en train de faire n'importe quoi là. Oh, j'espère que vous entendez le sucre qui se met dans la farine là. ASMR. ASMR cassonade. J'ai mis le sucre. J'aurais jamais dû faire ça, j'ai complètement oublié ce que j'ai déjà mis ou pas. Donc la farine, le sucre c'est bon, la levure c'est bon. La vanille, je vais la mettre après. De l'huile, du lait végétal, de la cannelle, de la muscade. C'est tard. Un peu beaucoup de cannelle, c'est pas grave, on n'en a jamais assez. Et vous allez me dire, c'est à quel moment, pardon, sans transition, c'est à quel moment que le néologisme, c'est plus un néologisme. Parce qu'on est d'accord que, donc, on a besoin de parler d'un truc. Et là, on se dit, il faut absolument que je parle de ça, mais il n'y a pas de mot pour le faire, je vais créer le mot. Les gens commencent à l'utiliser en se disant, ah, wow, trop bien, je vais enfin pouvoir parler de ce truc. À quel moment on dit qu'on arrête de dire que c'est un nouveau mot? C'est en général soit quand il y a assez de gens qui l'utilisent pour qu'on arrête de se dire oh, c'est bon, n'importe quoi, comment tu parles, soit quand il rentre dans le dictionnaire. C'est pas le sujet de la vidéo. Mais je tiens à rappeler, petit point, que le dictionnaire n'est que la représentation de l'usage et non pas la norme imposée au langage. C'est voilà, si un mot est utilisé puis rentre dans le dictionnaire, c'est pas parce qu'il rentre dans le dictionnaire qu'après on peut l'utiliser. Ça, c'est mon autre vidéo. Je parle aussi de ghetto dedans, donc allez voir si ça vous plaît. Mais en général, donc, pour revenir à mes néologismes, note 3. Suspense. On a 3 types de néologismes, 3 raisons pour lesquelles on invente ces mots-là. Donc, vraiment les néologismes dont on a besoin. Comme je disais tout à l'heure, on a la nécessité de nommer une réalité nouvelle. Comme par exemple, quand on a inventé le scanner, la chimiothérapie ou des consoles de jeux, on a une nécessité de nommer des réalités préexistantes, mais non distinguées d'un ensemble plus vaste. Donc ça peut être, pour parler de réalités qui ne sont pas vraiment nouvelles, mais qui n'ont pas été distinguées ou isolées de l'ensemble plus vaste auquel elles sont confondues, là je lis mon script, hein, clairement. Et là, il y a des exemples, genre biodiversité, convivialité, humidiodéficience, qui avant était inaperçu dans l'imprécision scientifique de l'archéolangue. Mais ça me paraît pas très clair. Moi, encore une fois, je vais prendre plutôt l'exemple réalité préexistante mais non distinguée d'un ensemble plus vaste. Tous les mots que peuvent utiliser la communauté LGBT pour se décrire et pour se... Voilà, juste pour dire, en fait, on existe, c'est pas une question. Petit exemple comme ça, je sais pas. Et enfin, des noms nouveaux pour des réalités anciennes. Alors, ça c'est plutôt, c'est un truc que les gens de droite appelaient le politiquement correct, ou plus récemment le wokisme, c'est-à-dire qu'avant on utilisait des mots, et maintenant c'est plus trop correct de le faire, puisque ça peut être raciste, sexiste, transphobe, vous choisissez un petit peu ce que vous voulez, et donc on choisit d'arrêter de les utiliser. Excusez-moi, je me concentre pour verser 200 ml de lait. ASMR encore. Tout ça pour dire, je voudrais pas citer quelqu'un en particulier, mais par exemple, souvenez-vous de Nicolas Sarkozy qui parlait du livre d'Agatha Christie. En plus, j'ai pas trop envie de m'en souvenir, mais ça représente bien, assez malheureusement, les gens qui veulent pas trop faire avancer la langue, ni de la société, hein, de manière générale. En général, ça va un petit peu avec l'un avec l'autre. Pourquoi je vous parle des néologismes depuis tout à l'heure? C'est, voilà, on crée des mots parce qu'on a besoin de parler de quelque chose et que soit on n'en a pas encore parlé, donc on a besoin de le dire, soit c'est pas assez précis, soit on ramène des mots d'autre part, enfin voilà. 4 cuillères à soupe d'huile. Merde. À l'œil. 1, 2, 3. Alors. Donc, soit la langue n'est pas assez précise pour parler de mots déjà existants, soit les mots qu'on connaît sont devenus trop décalés par rapport à la réalité pour plein de différentes raisons, soit tout simplement ça n'existe pas et on a besoin d'en parler. Si on repart à notre sujet de départ quand même, parce que là on est là pour parler de bake-off, de cook, de bake, de pâtisserie, pourquoi les mots cook et bake ont été inventés? Je ne vais pas trop m'attarder sur cook parce que, voilà, je vais plutôt... essayer de chercher d'où vient le mot bake. Alors, si j'en crois mes recherches,
Là, ça va vraiment être le bordel parce que j'ai pas du tout rédigé ça. J'ai vraiment copié-collé des définitions que j'ai trouvées. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans toutes les définitions que j'ai trouvées, bake, ça vient vraiment de cook, mais plus spécifique. Donc, de genre... de la chaleur sèche. On retrouve aussi le process of baking. Ok. Comment dire ? Ça me paraît un peu trop précis pour l'usage actuel. J'ai pas l'impression que les gens se servent de bake pour dire je me sers de telle cuisson avec tel process, voilà, pas spécifiquement dans un four ou quoi. Mais ma question c'est vraiment pourquoi est-ce qu'on a gardé les deux ? Quand est-ce qu'ils sont arrivés ? Pourquoi les deux existent ? Et donc dans la timeline du truc... les pommes. On va essayer de faire ça correctement. Donc, bake, apparemment, ça serait apparu vers le 15e ou le 16e siècle. Le 15e siècle. Vous ne le connaissez pas, celui-là. Le 15e ou le 16e siècle. Mais du coup, cook, apparemment, il arrive un peu plus tôt, dans la fin du 14e siècle, donc dans sa version la plus simple, c'est-à-dire « to make fit for eating by the action of eat », donc « cuire ». Mais plus spécifiquement, to prepare in an appetizing way by various combination of material flavoring. Donc mélanger les trucs et les faire cuire et les manger. alors apparemment ça serait... Là je suis un petit peu surprise parce que je relis les trucs. L'ancien anglais avait le mot genokian, je ne sais, cognate with the old. Alors, genokian, je ne sais pas comment le prononcer, qui ressemblait à l'ancien allemand cochon, à l'allemand cochon. Ça ressemble quand même beaucoup à un cochon, on est d'accord. Je ne vois pas trop le lien entre les deux. C'est tout. Mais après, on a aussi des origines plutôt latines, comme par exemple cocus, cocus ou coquere. Voilà. En fait, ça a plutôt l'air d'avoir des origines germaniques. Non, des origines latines pour cook et germaniques pour bake. Donc, on peut imaginer que les deux n'étaient pas utilisés au départ par les mêmes groupes de gens. Comme je vous le disais, donc en Angleterre, il y a eu des langues qui ont coexisté et qui ont été mélangées un petit peu plus tard pour créer l'ancien anglais, etc. Un peu comme en français, hein. C'est pas exactement le même schéma, mais c'est ça qui s'est passé. Et on peut imaginer qu'en fonction des influences de la langue, comment dire, j'ai pas l'impression que bake est un mot, est un poids assez fort pour écraser cook et donc le remplacer, mais ça a pas non plus un sens assez unique pour qu'on le garde quand même pour en faire un mot en plus. Enfin ça c'est mon ressenti, hein, dans les faits on a quand même les deux maintenant, donc ça sert à rien que je dise ça. Donc, dans les faits, on a quand même cook et bake qui cohabitent. Donc, je dirais que bake, comment dire, est-ce que, si vous n'avez pas vu mon ancienne vidéo, ça ne va rien vous dire, mais cook, c'est un peu le big word de bake, genre c'est un peu la catégorie dans laquelle bake fait partie. Mais cook, c'est pas non plus un type de baking, du coup ça serait genre un hyper mot. Je suis pas convaincue. Mais là, ce que vous êtes surtout en train de vous dire, c'est que pourquoi il nous fait chier ? Alors qu'on pourrait juste dire que ce sont des synonymes. Et puis voilà quoi, on arrête de tergiverser, fais ton gâteau, on sera très content de voir à quoi ressemble ton gâteau à la fin, mais voilà. Sauf que, un synonyme, c'est pas si simple que ça. Dans le langage courant, on dit un synonyme, c'est un peu, comment dire, le même mot en double, quoi. C'est vraiment, ça veut dire la même chose, mais on a deux mots pour dire la même chose. Vous trouvez pas ça bizarre ? Qu'on se fasse chier à avoir deux mots pour dire exactement la même chose. Enfin, je veux dire, si on allait au plus simple, et ce qu'on fait généralement dans la langue, parce que le but c'est quand même de communiquer et de partager une idée, hein, c'est pas non plus de faire la fanfaronne, donc on garderait pas deux mots qui veulent dire exactement la même chose. Il y a toujours une petite différence, même minime, entre deux synonymes, c'est-à-dire ça peut être une différence dans la chose dont on parle, donc le signifié, ça sera pas forcément exactement pareil, ça peut être une différence dans les connotations, les nuances de mots, péjorative, améliorative, négative, positive plutôt, le registre de langue, famille soutenue, etc. Ou je dirais la classe sociale, l'âge, les gens avec qui vous parlez, etc. Il y aura toujours des petites différences. Donc,
On peut quand même dire, les synonymes, ça existe quand même. Hein. On peut quand même interchanger deux mots sans modifier le sens de la phrase. Par exemple, si je dis « je vais me beuger », que je dis régulièrement, ou « je vais me coucher », on a le même sens, mais la différence ici, ça va pas tant être ce que je veux dire, ça va plutôt être le registre ou la région dans laquelle je parle. C'est-à-dire, je vais pas forcément utiliser « je vais me beuger » avec mes amis à Limoges, parce que sinon, on va encore me dire qu'on comprend pas quand je parle. Mais du coup, pour « bake » et « cook », on peut pas les échanger sans modifier le sens. Enfin, en anglais, il y a vraiment même des phrases où les gens disent « I cook, but I don't bake », donc comme je l'ai dit dans mon intro, pardon, j'ai vraiment choisi une pomme de merde. Hop là. Ce qui veut quand même bien dire, et j'insiste, que les deux sont radicalement différents et qu'il y a même un jugement de valeur par rapport à ça. Donc c'est-à-dire « I cook, but I don't bake », c'est-à-dire je fais ça, mais je ne suis pas capable de faire cette chose que je considère plus difficile. Hop là, pardon. Non seulement on a vu qu'il y avait une différence dans le sens précis, donc on a regardé un petit peu l'étymologie. Baking, c'est un type de cuisson à chaleur sèche, whatever that means. Et cooking, c'est vraiment plus général. On peut même dire que au lieu de cuire, ça veut juste dire faire à manger, donc cuisiner un petit peu dans notre langue. Mais il y aurait aussi des différences de connotation ou de considération de ce qui est baking et cooking. Donc, baking, ce serait considéré comme plus compliqué et plus scientifique que cooking, qui serait considéré comme un art moins précis, on va dire. Un peu comme la différence en français entre cuisiner et pâtisser. On a généralement beaucoup de gens qui disent que faire de la pâtisserie, c'est plus dur que faire de la cuisine, ce que je trouve pas forcément vrai, mais bref. Et surtout, en français, on a une différence sucrée-salée qui est nette et qui n'existe pas en anglais. Et c'est ça le cœur de notre problème, de pourquoi est-ce que ça s'appelle le meilleur pâtissier, alors que dans Great British Bake Off, ils font des pâtés en croûte. Voilà. Donc, pour savoir comment ça se passe, j'aimerais bien regarder aussi les origines de la pâtisserie et du verbe pâtisser, pour voir si c'est vraiment que du sucré à l'origine, parce que, encore une fois, le français, l'anglais, les origines, nanani, nanani, ça change l'étymologie des mots, l'évolution, les idéologies. Donc on va regarder. Donc pâtisser est un verbe qui veut dire travailler la pâte, faire de la pâtisserie, des gâteaux. Si vous avez des questions sur ce qu'est un gâteau, encore une fois, je vous renvoie à ma première vidéo où je mélange pâtisserie et linguistique. Damn, ça va commencer à devenir une série. Mais aussi, ça peut être synonyme de travailler, pétrir, pâtisser de la pâte, pâtisser de la farine, confectionner un gâteau. Nous pâtissons, je pâtisse, vous pâtissez. Mais ça serait apparemment aussi lié au mot pâté. Attendez, non, parce que... Ensemble des opérations nécessaires à la confection de mets à base de pâte cuite. Ah, notamment des gâteaux. Préparation, travail et cuisson de la pâte. Ok, donc ça c'est pâtisser. Art de confectionner ses mets. Ok. Ensemble des gâteaux pâtés. Préparation sucrée de pâte travaillée cuite au four. Préparation, travail de la cuisson de la pâte destinée à la confection des gâteaux ou des pâtés. Attendez, commerce du pâtissier. Des pâtés, faire des pâtés, faire de la pâtisserie, apparenté à pâtisse-pâte. Donc, si on part du verbe pâtisser, on peut faire des pâtés en pâtisserie. Donc, dans le meilleur pâtissier, en fait, il pourrait faire des pâtés. Donc en fait, Bekoff, ils avaient raison depuis le début. Donc, on pourrait faire des pâtés en croûte dans le meilleur pâtissier. Et on fait pas, on a loupé ça. Attendez, non mais parce que là c'est presque parfait en fait. Il y a pas d'épreuve avec du pâté dans la version française. J'appelle Cyril Lignac. J'ai pas mon portable. Non mais attendez, parce que si vraiment l'étymologie de pâtisserie nous montre qu'au départ, ça pouvait aussi le fait de signifier faire des pâtes, des choses à base de pâtes, comme ben du pâté en croûte, là ça change tout, ça change la donne. Non mais on va quand même aussi parler de la différence entre étymologie et usage, parce que bon, si aujourd'hui vous servez un pâté en croûte dans une pâtisserie, je pense qu'on va vous taper un scandale, ou voilà, vous allez peut-être percer sur Instagram, c'est bien, après vous allez ouvrir une gaufrerie avec des trucs en forme de bite et de chatte, là, c'est pas possible. Dans l'usage aujourd'hui, pâtisser, c'est vraiment des préparations sucrées.
même si ça a dérivé du sens de pâte au début, on n'est pas vraiment obligé de faire des trucs à base de pâte comme des gâteaux, on peut aussi faire des crumbles, des tiramisu, ça sera considéré comme de la pâtisserie. Par contre, du coup, le tiramisu, c'est pas du baking vu que c'est cuit pas. Ils en ont fait cette année des tiramisu, Dans les faits, les épreuves de Great British Bake Off, on repart sur la version anglaise, ça reste beaucoup sur la précision et la technique des candidats et des candidates. Il y a beaucoup d'épreuves, bon alors non seulement il y a une épreuve qui s'appelle le technical, donc qui est fait exprès pour les pousser à bout, les faire chialer, et aborder des techniques de pâtisserie. Un peu plus difficile, mais il y a aussi... En fait, l'anglais, ça me fout complètement en l'air parce que... Donc, bake-off, ok, j'ai compris. On a le droit de faire du salé, on a le droit de faire du sucré, c'est pas grave. Le terme est un peu dérivé, je vois toujours pas pourquoi cook et bake, c'est pas la même chose, mais bon, on va passer, hein, on n'est pas là pour résoudre des mystères, on est juste là pour faire des vidéos sans réponse. Toutes les semaines à bake-off, il y a des épreuves et il y a des thèmes. Par exemple, un des thèmes, donc ça peut être, je sais pas, German Week, ils font que des trucs allemands. Bread Week, ils font que du pain. Mais il y a aussi Patisserie Week. La semaine de la pâtisserie. Donc, comment leur dire que... Voilà, en fait, je vous coupe un peu là sous le pied parce que je sais que vous allez me dire, mais Elise, c'est pas Pâtisserie Week, c'est Pâtisserie. Donc c'est vraiment l'image fantasmée de la pâtisserie. Et donc en fait, ils font que des trucs hyper durs à base de genre ce que fait Cédric Grolet là, avec des trucs qu'il faut congeler, et nanani, 44 couches, des mousses. D'ailleurs, tous les termes utilisés pendant cette semaine, c'est des termes français à base de bavarois, de mousse, de jet de whiz. Il y a aussi, par exemple, des entremets. Et du coup, tous ces mots français ont quand même... Pardon, ça doit faire un max de bruit dans le micro. Tous ces mots français ont quand même une connotation de difficulté et de précision que le mot français, bon, a pas forcément. Je sais pas si vous trouvez que le génois, c'est particulièrement difficile à faire. Mais bon. En France, on a quand même... Je sais pas, on a des standards plus élevés sur la cuisine de manière générale et des techniques de cuisine. Et la pâtisserie, c'est... encore plus connoté comme difficile. On a vraiment une réputation de genre la pâtisserie c'est un art, c'est une science, il faut être au grain près et tout. Ce que je ne suis pas en train de faire du tout. Et je pense que je ferai quand même un gâteau à la fin, donc ça peut être considéré comme de la pâtisserie puisque j'ai de la pâte cuite. Pour revenir au titre, parce que là je suis en train de me dire que finalement pâtissier c'est pas une si mauvaise traduction de bake. De toute façon on n'avait pas non plus 1500 choix. Et oui, le grand concours de cuisson, voilà, c'est pas très vendeur. Si on rajoute à ça toutes les influences et tournures considérées comme plus marketing pour les titres de TV, comme je disais tout à l'heure, on aime bien apparemment inclure une formule plus humaine dans nos titres, avoir genre le meilleur pâtissier, la reine du shopping, même si ça vaut pas pour toutes les émissions puisque Masterchef ou Top Chef, ça ne change pas. Toujours est-il que je suis encore bloquée sur mon pâté en croûte, ça veut dire qu'on pourrait avoir l'épreuve de pâté en croûte. Ah, je sais pas si j'ai envie de voir ça, mais bref. Pas finir mon gâteau avant la fin de la vidéo, c'est terrible. J'ai pas non plus trouvé grand chose sur la typologie des petites émissions de télé françaises parce que malheureusement c'est pas un sujet passionnant, je vois pas de quoi vous parler. Toujours est-il que, bon, la boucle est un peu bouclée, je voudrais dire, même si bake et cook c'est pas la même différence que cuisiner à pâtisser, je vais m'en remettre. On retrouve des similitudes non seulement entre les deux termes, au niveau de leur connotation, des difficultés, des techniques. Même si je dirais que la différence en français est vraiment beaucoup plus marquée, puisqu'on a une différence sucré-salé qui est assez présente, et que ça aurait été difficile d'inclure du pâté en croûte dans une émission qui s'appelle Le meilleur pâtissier, et que tout le monde aurait dit non, mais n'importe quoi, vous auriez dû après ça, La meilleure boulangerie de France, c'est une autre émission d'M6, ça existe déjà, on n'a pas besoin de Thierry Mignac, nanani, nanana. Je suis toujours pas convaincue de pourquoi la langue anglophone a préféré garder un terme aussi vague que bake. Au lieu de se baser sur une distinction plus logique que sucré-salé, parce que c'est assez logique quand on y pense, là c'est vraiment un truc de connasse française, parce que c'est quand même assez... voilà. Après tout, c'est peut-être pas parce que moi je trouve ça plus clair que ça l'est forcément pour tout le monde, peut-être que les anglophones ils comprennent pas pourquoi en France on fait pas du beurre aromatisé, du pain et des pâtés en croûte, mais on fait quand même des trucs beaucoup plus poussés, je voudrais pas me la péter, mais... Mais en même temps, vu la qualité de l'émission, je me dis qu'il y a quand même beaucoup moins de gens qui regardent
le meilleur pâtissier sans être francophone que Bake Off sans être anglophone. Bref. Bref, tout ça pour dire que... Ah, ça recommence. Oui, bref, tout ça pour dire que je vous ai parlé d'étymologie, de néologisme, d'ancien anglais, de franco... je sais pas quoi, de synonymes, de... des dictionnaires, de pâté en croûte, de baguette... Tout ce que je voulais dire, c'est que la langue n'a aucun sens. La langue anglaise n'a aucun sens, mais la langue française, mesdames et messieurs, aucun sens. Que finalement, le meilleur pâtissier, c'est pas une si mauvaise traduction de Great Polish Bake Off. Qu'il faut arrêter de mettre un truc sur un piédestal par rapport à l'autre. Genre, faire des gâteaux, c'est pas plus dur que de faire du cuisson de poisson. Enfin, moi je trouve le poisson plus dur puisque j'en mange pas, mais... lancez-vous, faites de la pâtisserie, faites des pâtés en croûte, faites des gâteaux, faites, je sais pas, honnêtement, j'ai pas écrit de conclusion, vraiment, je suis arrivée au point où pâtisser, ça voulait aussi dire faire des pâtés, et je pense que mon cerveau a explosé et a arrêté, et j'ai pas continué le script. Ouais. C'est pas que je suis un peu déçue avoir trouvé la bonne réponse, mais je sais pas si j'ai vraiment trouvé une bonne réponse en fait. J'aurais voulu être vraiment contre la langue anglaise, pouvoir défendre ma culture comme jamais, mais encore une fois, c'est un petit peu grâce à Guillaume le Conquérant que je peux faire cette vidéo. Donc, allez-y. On y remarque. Il a pas conquis l'Irlande aussi là. Hello there. That is delicious.